Bien, on est là, on est présent. On est ok. On est en furtivité et donc là c'est l'escalier du bas. Normalement, ça doit me mener à la grotte d'après ce magnifique bruit de porte. Fort de home, ah bah en plus. Alors, oula, qu'est-ce qui se... Alors attendez, ouais, c'est exactement ça. Donc, on va aller voir Johnny. D'ailleurs, je sais pas pourquoi le jeu me fait des bosses en luminosité. Ne me tuez pas! Ne me tuez pas! Ah, doucement! Je m'appelle Johnny, papa et moi, on s'est entrepoliformés, mais une cycle des assassinats, le peuple d'Aïe! Ils ont tué des tas de fidèles d'eux, mais ils nous ont gardé en vie pour travailler maintenant pour leur chef des. Oh! Attends, est-ce qu'on s'en gagne? Genre, je peux me vendre de la merde! Putain, ouais! Gamin, donne-moi des potions. Putain, mec! Oh! Oh, putain! Oh, c'est craqué! Oh! Oh, je dois avoir une érection! Oh, je dois avoir une érection! Oh, putain! Oh, oh bordel. Ouh. Item craqué du jeu. Quoi d'autre? Ah putain, il n'a pas des grosses potions. Non. Oh. Oh, je dois avoir l'érection. Oh les mecs. Bonjour. Bon. Je vais ranger les étagères. Comment je parle mal à ce gamin, hein. Donc là, donc c'est le couloir que je vais ouvrir. Alors je ne sais pas si ça vous fait, mais le jeu me fait des doigts sur la luminosité. Attaque sur l'Oise Ben 34. Normalement là j'ai opportunité vu qu'il est ça. J'adore chanter. D'ailleurs, il faut dire la vérité. Actuellement, nous ne sommes pas le même jour. Je pense que vous avez fait pause sur les saves. Nous ne sommes pas le même jour. Nous sommes. Là, j'ai enregistré la troisième partie de Internet. Je sais pas quand. Bah, là, on est actuellement jeudi. On est jeudi 12. Et l'enregistrement du début, le premier épisode, j'ai commencé le 9-8-7, il me semble. Le 9. Bon, le combat est long. Mais c'est un ennemi qui me donnait au moins 100 XP. Donc, voilà, ça va, il me fait quasiment rien de dégâts. Par contre, Dester, ça doit être le boss de fin le plus craqué du monde. Je soupçonne que cette partie soit un immense cachot. Comment il a fait en fait lui? Mur de merde. Ouais, il a d'abord c'est un putain de main. 33, c'est tout. Allez, un drop. Nul. Bon. C'est toujours ça. Oh, j'ai toujours une réaction là. Oh, un sac sans fond réduit de sang. Ok, les mecs. On va pas être potes. Y a du bruit. Si j'ouvre cette porte, je sens très franchement que je vais décéder. Ça compte cette pièce. C'est tout à fait acceptable. Alors, oui, alors le jeu me fait des... Les soldats zombies. Ok. Ouais, alors le jeu me fait des doigts. Non, attendez. Hop, je m'enferme. Et le combat à mort commence. Voilà. Il y a un cadavre d'ailleurs ici. Que je vais fouiller parce que... Une bière. Bon. Donc d'après ce que je vois, il n'y a que des zombies ici. Les zombies, c'est du petit mob. Mais le petit mob, c'est important. C'est du petit XP. Alors attends, il faut que je fasse le plan de ce que je fais comme ça. Je vais commencer par toutes les salles de droite.
Voilà. Il y a un cadavre ici. Il y a... Alors ça, c'est des flèches vampiriques que je pourrais vendre. Ah, ça, ça doit être pour exécuter les morts. Ouais, alors je... ça va m'énerver très très vite si le jeu me fait des doigts avec la luminosité. L'aspect réalistique est en train de me faire mal aux yeux. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Yann le couteau. Oui, tu es très nu. Alors, le mécanisme de verrouillage de la porte vous permet de l'ouvrir ou de la contre. Que le sol vous engloutisse. Putain, il m'a fait peur. Oh sa mère. Saleté de zombie. Vous allez pas le croire, mais je vais me flipper si à cause du zombie. Ce qui explique la charge, enfin la sauvegarde que je viens de faire. Ah, attendez. Salut. Vous savez, je pensais que le nain. Il se relève, j'ai le. Vous êtes un des hommes de Dester, pas un fils de l'homme. Dester est un pion comme tous les autres, comme vous, certains trouvent là. Alors, vous payerez aussi, pas d'hiver, le passé, on vient là, vous nous hantez, vous serez notre. Qui sont vos maîtres? Vous ne saurez rien de plus, c'est fini, on apprend. Ouais. Ah, mec, j'ai très très envie de t'en foutre une. Je vais être sincère, j'ai très très envie de me battre contre toi. Mais en même temps, tu peux être un putain d'allié. En même temps, j'ai fini l'invocation d'un mec. Ah, tu sais quoi, je reviendrai plus tard. Et lui, et là c'est... Là c'est un. C'est un vrai soldat de home. Je ne sais pas ce que je peux lui parler. Je suis trop loin. Bon, là, je peux l'ouvrir, je pense. Voilà. Du mal, ok. Ça doit être un vrai fidèle de home. Bonjour, monsieur. Salutations. Salutations, je suis... Je suis du mal, chevalier de garde. On se m'en fout, je suppose que trop fermé. Qu'êtes-vous, comment le voir arriver, cette forteresse, et blablabla... Qu'avez-vous entendu? Il me faut les informations dans mon journal de 4 caisses, et où c'est que... Oh, bordel de merde, le nom de Dieu, de sa maman. Non, c'est bon, aucun ennemi. Il faut que je file. Ah, je voudrais vous dire avec vous, mais je suis d'aucune aide. Je trouve que si vous avez d'autres questions, je serai ici jusqu'à la fin des... J'espère que votre combat se déroule bien. Qu'avez-vous? Ah non. Bah, j'ai un truc dans mon journal de quête, donc la juste récompense des traîtres. Lui-même est en... Qui est son maître? Il nous a vraiment causé autant de morts qu'ils le peuvent à pas l'hiver. Très bien, ces personnes sont donc pas gentilles. Bah, bon, ça m'énerve vraiment. Qui s'occupe de la luminosité dans le jeu? Alors, un aspect réalistique, je veux bien, mais ne décollez pas quand même. Il y a mes yeux qui... Mes yeux sont fragiles. Du 11. En même temps, ils ont pas de défense. Aucune armure, c'est dingue. Mais c'est tant mieux. C'est tant mieux. Est-ce que j'ai droit à un petit drop, s'il te plaît. Allez, petit drop. Petit drop de rien. Oh, rien du tout. Bon, là... Oh là là, alors soit c'est le PC, soit c'est le jeu, mais je crois que c'est le PC qui est en train de me faire des doigts. Je sais pas si vous l'avez sur la capture, mais ça pique les yeux. Ça pique sérieusement les yeux. Tu es pour secte. Ah, si lui il a immunisé contre. Ah bah c'est un seigneur. Ça va? Ah bordel. Il s'est mis une sorte d'armure. Ça va. Si je continue à le toucher. Non, d'abord lui. D'abord le soldat zombie. C'est les strats. Voilà. Il active un sort. Ok, sort qui ne servira à rien. Allez, encore 38 points de défense et d'armure. Allez, plus vite. En plus, il strate. C'est moi qui ai le plus de chances de le toucher. Au critique. Voilà. Allez, 10 points. Une attaque à 10 et 10, c'est bon. Parfait. Tu lui défonces sa mère. Tu lui défonces ses dents. Tu le fais retourner dans sa tombe. Alors peut-être que je vais utiliser une potion. Ouais. Moins combien de points de vie? 12, moins de 10 et moins 10 points de vie. Ça va être chaud. Ça va être très chaud.
À moins d'utiliser la strat de la save, ça va être chaud. Pour l'instant, ça va. 5, oula. Ok, alors là, non, la potion. La potion, je suis obligé. Là, je la joue pas sale. Je la joue vraiment pas sale, ce truc-là. ...157, ça va, c'est pas dégueulasse, mais pas de drop. Ben par contre, mes chances d'avoir un drop sont nulles. Mais genre nulles. C'est décevant, décevant, décevant. Ah, je suis déçu, déçu, déçu. Bon, petite save, et puis on continue tranquillou la visite des cons. Oh, bonjour le coffre. Je sens le piège. Ça sent le piège, putain. Tu sais, je vois, t'as un gros coffre, genre le coffre avec le drop fixe qui est piégé. Et ben voilà. Les compétences de voleur strictement humain m'avertissent d'un danger. Putain, quand même. Réussite impossible. Non, t'es sérieux, j'ai fait. Non, les mecs. Oh, respectez-moi. Putain, j'ai 34. Non, j'ai 30. Ok, bon. Ok. Là, c'est pour manipuler les chances, les dégâts que je me reçois. Ce sont des strats. Ça va être long, ça va être très long, je vous le dis. Oh, il y a du bois derrière moi. 69. Non, le 3 points de vie. Le 3 points de vie du miracle. Alors, restant sur dégâts contondants, résistance divisé par 5. Oh, c'est mignon. La ceinture, elle me fait quoi, mon écharpe sentie? Je vais mettre ça à la place. Et je vais me reposer. Putain, le 3 points de vie qui m'a sauvé, mais de rien. C'est magique. C'était là. C'était magique. C'était... Oh la vache, c'est incroyable. Je suis content. Ce 3 points de vie magique. Merde, remettre la map. Donc, tout le côté gauche, enfin, au gauche est fait. Là, il y a un cadavre. En fait, ça va aller vite ici. Ça va aller très vite. Bon, j'entends encore un ou deux zombies, peut-être. Là, ah bah. Ah non, c'est pas un zombie, c'est un pilier mal foutu. Là, il n'y a rien. Là. Il y a de la... Ah, il y a un zombie. Un saut de la zombie. Ah. Ah non. Faut voir comment ils sont foutus. Ah, son... Ils ont une tête de Rambo. Ça me fait penser à une tête de Rambo. Oh, le combat du mode damage. C'est tellement magnifique. En fait, ça c'est juste une zone pour loot et pour farmer. Et là c'est... Ah, là c'est un zombie normal. Là par contre c'est pas la même. Qui je suis, qui je suis. Non, je peux rien dire, c'est faible. Donc là j'ai fait tout le monde. Je vais quand même reparler au mec, à ce personnage énigmatique. Bon, deux points de vie en moins, c'est pas la mort. À la dent... C'est comment ça s'appelle? Yarik Koto. Alors... Je connais... Ok, bon. Je vais l'accrocher. J'ai la possibilité de soit fermer... à vie, soit l'ouvrir. Voilà, génial, le combat. Là, c'est le combat. Reviens un peu, sa caméra. Oh. Mais il se barre. Il se barre. Mec.
Mec, reviens. Ok, donc. Ah, là c'est pas la même, là je le tue. Voilà. Je veux rien savoir, tu diras rien, sauf que c'est scripté. Alors, ai-je tué une personne innocente comme un lâche? Je ne sais pas. Je ne sais pas, si ça se trouve cette personne avait sans doute déjà tué des gens. Et ça, c'est pas bien. C'est mal, voyez. Bon bah là c'est tout. Ah mais non, mais ce problème d'éclairage, c'est pas, ça me le fait, c'est horrible. Billy, Johnny. Bonjour. On va faire deux secondes. Je vais tendre de la merde. Ça, je te le vends. Alors, récompense du champion. Ça, j'ai envie de te le vendre, mais ça me sert à rien. Je n'ai pas vu ce coffre. Je n'ai pas vu cette caisse. Je deviens aveugle. Ouh, soin intensif. Alors, attendez. Soin intensif, je vais les mettre en... non. Je vais pas les mettre en F7, vide emplacement. Je vais les mettre en F4. Voilà, et donc là on monte et puis on est bon. Bah on va aller à l'étage suivant. Qui est à l'autre... Bah est à l'opposé de tout. Voilà, qui est bien là-bas. Non, qui est juste en face. Là. Escalier vers le haut. Et comme quoi l'architecture est foutrement bien agencée. Non mais alors ça je ne comprends pas toujours pourquoi quand je sélectionne une action sur une porte ouvrir ou fermer le personnage marche. Je vais fermer cette porte, elle discrétieusement alors que je vais marcher. Ok. Ah là là, la porte du haut. Je suis tellement pas prêt pour ce qui m'attend. Oh, tu le sens. Oh, vous le sentez. Vous le sentez. Le boss fight. Oh oui. Oh oui. Oui. Ok. Ah, mais. Oula. Oula. Ah, scripté. Voici. L'imbécile. Sniff. Les moments passés ici, en compagnie des morts, mon nom a pris plus en quelques heures que je n'en suis digne. Oui. Dester. Un traître. Qu'as-tu fait? Oh. Ok. Qu'ils disent que je n'ai pas laissé les gens mourir à cause de lui. C'est à la cour d'en décider ou à la foule? Oh. Mec, ne te suicide pas. Ah oui. Ah oui. Ok. Bon. C'est triste. Alors, on va voir ce qui est. Ce que la juste récompense détresse. Fenric a été retrouvé fort le home. C'est un homme brisé. Oh là là. Ok. Je suis pas prêt pour ce qui m'attend. Je suis tellement pas prêt. C'est le boss fight. Allez.